Grand soleil et ambiance estivale dans cette guinguette de Rochetaillée-sur-Saône. Avec un pic de chaleur enregistré à 28 degrés ce dimanche, les habitants sont venus se prélasser et profiter du bon temps. Une situation agréable mais totalement anormale. Ça fait bizarre d'être encore en plein soleil. On pense à la planète quand même qui se réchauffe. Mais on subit, hein, on est comme tout le monde, donc on peut rien faire. On prend ce qu'il y a à prendre si vous voulez. Avec cette chaleur inhabituelle, la fréquentation augmente. La piscine l'an dernier était fermée. Là, elle reste ouverte jusqu'au 22 octobre. Le soleil, c'est bon pour le moral. Mais sincèrement, il est certain qu'on se pose des questions sur l'avenir de notre planète. C'est pas normal, oui. C'est pas normal. Je me souviens de mes rentrées scolaires petites où on avait des pantalons en velours et des Shetland. Et puis là, c'est complètement fou, complètement fou. Avec les nuits et les matinées, normalement, notre piscine n'est plus praticable en début octobre. Parce qu'on a des 8, des 9 degrés le soir, et c'est ce qui fait que la température de l'eau passe à 15, 16, 17, elle descend en dessous de 20. Et là, elle est encore à 23 degrés, 22,5 le 5 octobre, ce qui n'a jamais été dit. Les habitudes sont bouleversées aussi niveau gastronomie. Les tartares et les tataki ont remplacé la traditionnelle tartiflette.